C'est ma mère qui m'a offert ce télescope. Depuis que je suis enfant, j'aime bien regarder le ciel. Oh! C'est Jupiter! Il est en opposition en ce moment. On le voit très bien. Oh là! C'est Saturne! En fait, les planètes, elles avancent dans le ciel, mais c'est cyclique. En fait, rien ne change. Aujourd'hui, on voit les mêmes étoiles qu'on voyait dans l'Antiquité. Non mais, c'est quoi ça? C'est l'Américain là. Il a envoyé une voiture dans l'espace. Non mais, c'est une décapotable en plus. Moi j'ai fait un test à l'IRT, je peux vous assurer que là-haut ça caille. Même des fois, il fait très chaud. J'espère qu'il a la clim. Moi j'ai travaillé dans la fiabilité et la gestion de l'énergie. Alors l'énergie, c'est très important. On en a besoin pour faire fonctionner tout système qu'on puisse imaginer. Par exemple, on charge notre téléphone portable dans une prise électrique pour avoir de l'énergie. La voiture, il faut qu'on aille à la station de service pour faire le plein d'essence. Ou encore nous-mêmes, notre corps, c'est un système qui a besoin de l'énergie pour fonctionner. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, on va se jeter sur le buffet. Le problème, c'est que comme vous savez, dans l'espace, on n'a toujours pas de station de service. Il faut donc penser à d'autres systèmes pour obtenir de l'énergie, pour la stocker, pour la convertir et pour la distribuer. Et c'est pour cela que moi j'étudie des composants en nitrure de gallium. C'est un matériau qui nous permet de concevoir des systèmes de gestion d'énergie qui sont plus petites, qui sont plus efficaces, qui sont capables de travailler à température extrême et qui sont robustes aux effets de la radiation. Alors la radiation spatiale, vous connaissez la radiation? C'est les ions lourds, les rayons cosmiques, le vent solaire avec des particules alpha, des protons. C'est une sorte d'orage de grêle qui traverserait la voiture. Moi, je suis allé faire des tests dans un accélérateur à particules et j'ai bombardé mes composants avec une sorte de grêle atomique. C'est les ions lourds. J'ai aussi étudié le vieillissement des composants, c'est-à-dire l'évolution des performances électriques avec le temps. Mais tout ça, il faut le faire doucement. Il faut le faire judicieusement et avec de la physique. C'est-à-dire, il faut comprendre les mécanismes physiques avec lesquels les composants vont se dégrader ou vont même arriver à sa défaillance complète. Et tout ça, il faut le faire, comme je disais, doucement, doucement. Parce que dans l'espace, comme je disais, rien ne change. Il nous attend. Si on avance doucement mais sûrement, un jour peut-être, on pourra tous avoir accès à l'espace et on pourra se promener dans la nébuleuse d'Orion. Merci.